Revue de presse du 13 juillet 2020. La presse ivoirienne ce lundi 13 juillet 2020 s'est faite l'écho de l'hommage de la nation au Premier ministre Amadougan Koulibaly. Elle n'a pas oublié l'actualité politique marquée par la prétendue nomination du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, en remplacement de Amadougan Koulibaly et la démission de Daniel Kablan Duncan de son poste de vice-président. Le peuple se bouscule chez les gants pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, titre le rassemblement. 372 chefs Akan en route pour Korogo soutient l'expression. Le confrère qui nous apprend par ailleurs que les imams du Bafin confient l'âme de Amadougan Koulibaly à Allah, renchérit en titrant. Big Togo mobilise les structures du RHDP. Pour la bonne organisation des funérailles, l'essor ivoirien, le Woroba a apporté sa participation en offrant 30 millions de francs CFA et 32 nous informe. Quand le jour plus nous rappelle que les obsèques démarrent demain, mardi 14 juillet 2020. Le confrère n'a pas manqué de revenir sur la visite des membres du gouvernement le samedi dernier chez la maire du Lyon en affichant les propos des ministres de la Défense et de l'Éducation nationale. Tu peux être fier de ton fils, l'a consolé Ahmed Bakayoko quand Kandia Camara maintient que Gon faisait l'unanimité au sein de la classe politique. En ce qui concerne la nomination du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, à la primature, l'expression écrit que c'est une rumeur, car selon le confrère, Hachi Patrick dément. Même son de cloche chez le mandat qui affiche à faire le SG de la présidence à la primature, Hachi Patrick dément toute nomination. S'agissant de la prétendue démission du vice-président, le sursaut dévoile les trois gros péchés de Daniel Kablan Duncan. À 4 mois de la présidentielle, des ex-combattants s'activent dans l'Ouest. Titre l'Inter, qui nous apprend que quelque chose se prépare le 25 juillet prochain.